Télésurière de Bonjour, c'est la minute de l'entrepreneur, la possibilité de découvrir un entrepreneur de la région, en l'occurrence à Sucé-sur-Erdre. Vous avez aujourd'hui la possibilité de découvrir Guillaume. Guillaume, il tient une micro-brasserie artisanale à Sucé-sur-Erdre et on va découvrir aujourd'hui son activité. Guillaume, nous sommes donc à l'entrée de ce local. C'est un local où on ne vient pas consommer d'ailleurs de la bière. Exactement, c'est un lieu de production, proprement parlé. Vous pouvez venir acheter aux horaires d'ouverture. Donc le vendredi, le samedi, la propre bière que je fabrique. C'est avant tout un lieu de production, oui. Où je fais donc de la bière, évidemment, et aussi je propose des stages d'initiation au brassage. Alors ça, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir faire sa propre bière, presque de la bière sur mesure, à la limite. On aime la boire, on ne sait pas du tout comment ça se fait. Je vais montrer aux gens que c'est simple, que c'est accessible, que c'est bon, que ça peut être fait de manière vraiment agréable, et puis en quelques heures à peine. Alors c'est écologique, autant le dire. Mais au bon sens du terme, c'est-à-dire avec des matières premières nobles. Il faut savoir, c'est de la bière qui est fabriquée ici sur place, c'est de l'artisanat vraiment. Oui. Alors Guillaume, maintenant on est dans vraiment l'important, la salle des machines, si je puis dire. Alors, présentez-nous justement vos machines. Alors, la preuve que c'est très simple pour les stagiaires justement, mais je peux aussi faire de la bière comme ça, je le fais même régulièrement. On va mettre simplement un mélange de malt concassé avec de l'eau chaude ici, dans lequel on a un fond filtrant. On va pouvoir faire mélanger ça pendant une heure, en extraire les sucres qui sont contenus dans nos grains de malt. Ensuite, on va pouvoir filtrer de manière à garder nos grains ici, ne récupérer que ce jus sucré qu'on va envoyer dans cette cuve en inox. On va la faire bouillir pendant une heure environ. On va y rajouter des houblons pour donner de l'amertume, puis pour donner de l'aromatisation. Alors lors des ateliers, on peut utiliser là. Tout à fait, c'est le principe. C'est le principe, hein. C'est le principe. On choisit simplement le type de bière qu'on veut faire, donc une blonde, une blanche, une brune, une ambrée, etc. Suite à ça, moi je vais vous préparer les matières premières que vous allez pouvoir assembler pour pouvoir personnaliser votre bière. Donc déjà au niveau des maltes, et enfin au niveau des blondes, d'éventuelles épices pour ceux qui veulent en rajouter, des levures, etc. Pour arriver à faire votre propre recette. Ok, nous allons nous prendre une vraie et bonne bière exceptionnellement. Et on vous invite vraiment à rejoindre Guillaume, qui est un brasseur à l'artisanat de proximité, qui crée un lien en même temps.